Alors, bonjour à tous. Donc là, cette petite vidéo publique, c'est juste pour vous informer que je commence maintenant un nouveau thème pour les cours théoriques de l'école de musique, un thème consacré au logiciel. Donc je vais faire des tutos de logiciel. Qu'est-ce que je vais faire comme logiciel? Eh bien, je ne vais pas faire des tas de logiciels de tous les côtés au hasard. En fait, je vais vous présenter tous les logiciels que moi j'utilise couramment depuis plusieurs années. Donc évidemment, je veux dire, c'est une besace que je me suis faite, une collection, comme font la plupart des musiciens. C'est-à-dire, c'est à force de faire des recherches, avoir essayé 5, 10, parfois même plus, le logiciel, on finit par faire ses choix. Et donc, je vais vous faire partager, comme je vous l'avais annoncé au début, promis au début, dans le cadre de l'école de musique, pour tous les élèves inscrits, je vais vous faire partager tous mes logiciels, ceux que j'utilise, aussi bien pour monter les vidéos que métronome, boîte à rythme, voilà, et aussi évidemment le matériel que j'utilise. Donc, je mettrai à chaque fois, quand ce sont notamment des logiciels gratuits, parce qu'il y en a beaucoup, ce sont des logiciels gratuits, je vous mettrai à chaque fois à télécharger le logiciel. Quand il y aura des petits fichiers particuliers que j'aurai fait qui seront intéressants, je vous les mettrai aussi à télécharger, comme ça sera pratique. Et puis, il y a quelques logiciels payants, mais dans tous les cas, il peut y avoir des versions gratuites. Et dans tous les cas, je vous indiquerai aussi des alternatives. Voilà, je pense que ça va vous apporter des choses intéressantes. Je proposerai ensuite aux autres musiciens de l'école de musique, dans un forum particulier, dans le multiforum, la possibilité aussi, si vous avez envie vous aussi, de partager vos logiciels avec les autres musiciens, parce que c'est vraiment intéressant. Il n'y a pas qu'une solution dans la vie, évidemment. Donc, vous aurez nécessairement, vous utiliserez d'autres logiciels pour la musique qui seront intéressants. Comme ça, vous pourrez faire aussi des petites fiches descriptives. Et comme ça, pour notre communauté musicale, ça permettra encore plus de nous enrichir et de découvrir ce que font les autres. Voilà, je vous embrasse. Et le premier logiciel dont j'ai fait le tuto et que vous allez découvrir maintenant, en fait, c'est ce que moi j'utilise comme métronome. Et en fait, qui n'est pas un métronome, justement pour avoir un joli son. A tout de suite.